S'ils m'ont trop fait, ils vont me gifler, mais ils ne vont pas me dire. Donc, ici, je venais prendre la peau tranquillement. Mais je vous dis tout de suite là, Mada demande à Edwige Milan d'arrêter que son affaire, ce n'est pas un jeu de blogueur. D'arrêter de dire qu'elle envoyait, d'arrêter de parler. Normalement, elle devait faire une communication pour s'exprimer. Moi-même, c'est moi qui devais faire. Et malheureusement, par l'entremise de certaines personnes que Edwige connaît, qui sont ses proches, Edwige allait faire. Mais pour Mada, ça ne devait pas se passer comme ça s'est passé en interview. On devait la mettre en caméra et puis elle allait expliquer la situation. Malheureusement, elle monte, elle voit qu'il y a des personnes et on lui fait un interrogatoire qui l'a un peu intimidé. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Et franchement, la femme, elle, jusqu'à aujourd'hui, elle est perdue. Elle m'a dit, Jesse, mon frère, va voir tes frères là. Peut-être qu'ils ne m'ont pas compris. Je ne vais pas revenir faire une vidéo, mais comme tu es proche de Yaka Yaka et Aya Robert, je vais venir vers vous, je vais venir vers eux. Peut-être que je vais m'exprimer avec ce que je peux leur présenter, tout ça. Si ils m'ont compris, peut-être qu'ils vont pouvoir bien passer mon message auprès de ma famille. Et auprès... Voilà, c'est la décision qu'elle a prise. Elle vous demande pardon, elle demande pardon aux Ivoiriens. Elle, pas qu'elle regrette ce qui s'est passé là, tout ça, mais elle regrette le comportement de Akpenso, la morveuse, ce qu'elle a fait. Est-ce que, à t'entendre parler, j'ai l'impression que... Ça t'a fait mal que le live ne se soit pas passé sur ton panel et que ce soit passé chez Edwige. Est-ce que c'est pas un règlement de compte que tu es en train de faire? Est-ce que tu n'es pas en train de te venger? Hein? Parce que peut-être depuis le moment de la Libias et du comité, vous aviez lutté la place de la présidence. Mais comme elle est plus forte, elle t'a terrassé. Donc depuis lors, il y a une petite rancune qui flotte entre vous deux. À chaque fois qu'il y a une affaire, vous essayez de vous titiller, vous envoyez des tirs, mais elle est toujours plus forte que toi. Là encore, dans la même affaire de Mada, là, elle a réussi à faire monter Mada sur son panel au lieu de la ramener sur toi ton panel. Est-ce que tu n'es pas en train de te venger d'elle en te servant de nous? Parce que tu sais, on se connaît. Nous, on n'a pas à Dieu sans affaire la grimace. Non, tu sais, la même façon, même là, tu vois, Bilal en orange, vous avez porté le meilleur du pays, tout ça. C'est une icône nationale. Si j'avais mal, on connaît les blogueurs, Edwige m'a envoyé le message à la dernière minute, je suis monté sur son panel parce qu'il y avait Mada, tu comprends. J'allais dire, comme elle n'est pas venue chez moi, je vais aller foutre quoi là-bas. J'allais mettre la sorcellerie. L'objectif, c'était que Mada s'exprime. Non, mais tu pensais qu'il y allait avoir au moins 50 000 personnes, donc tu voulais être là. Non. Tous les projecteurs. L'objectif, tu pensais qu'il y allait avoir 50 000 personnes parce que Mada est sorti. Qui est venu sur notre panel? Yaka. Oui. Dans le live de Jesse, Jesse a eu 4 000 et quelques personnes. Et Elvis a eu 7 000 personnes. C'est la même chose. Pardonnez. Mais pourtant, Mada n'était pas là. Donnez-nous la parole. Pardonnez. Chacun va prendre. Ok, il y a Bilal qui avait soulevé la main d'abord. Bilal, vas-y. Avant de commencer, il faut bloquer d'abord 42 dans les commentaires. Attends, je te mets en moto. Tu bloques tous ceux qui te dérangent dedans. Dans la paix. Okay. Je te mets en modérateur. Ok. Tu peux faire motion avec Jésus. Tu es modérateur déjà, Bilal. D'accord, je peux faire motion avec Jésus. Tu es modérateur. Je vais faire motion, s'il vous plaît. Je vais faire une motion, pardonnez. Vas-y. Yaka. Mais Bilal, je vais pas parler. Il n'a pas encore parlé, vous voulez prendre motion. Laissez-le parler. Il y a Vanessa dans les commentaires, dans le direct. Mais prends-la. Mais je ne peux pas, il n'y arrive pas. Ah, tu n'es pas modo ici, il était même modo. Voilà, c'est merci beaucoup. Allez-y, le gars dit qu'il est au travail. On va faire vite, on va avancer. Jesse. Pardonnez, laissez-moi y prendre la parole, s'il vous plaît. Bon, vous parlez, parle. Bilal, désolé. Hein. Vous savez, il y a des gens du live, quoi, tu vois, non? Voilà, c'est mieux que je descende du live pour ne pas frustrer Yaka Yaka, pour ne pas frustrer Kouaïzambou, Bilal, tout ça là. Je vais descendre, voilà. Je vais descendre, c'est mieux parce que je ne veux pas manquer de respect à quelqu'un ici. Jesse, je vais te dire un truc. Je te respecte beaucoup, hein, mais il ne faut pas que tu vas semer la guerre entre toi et moi. Pourquoi? Tu as compris? Ce genre de commission là, tu gardes ça pour toi et puis tes parents. Aïe. Nous sommes dans un combat, on n'a pas encore terminé notre combat. Ne viens pas nous demander pardon si quelqu'un ici. Madala. Attends, laisse-moi parler. Yaka, ne me coupe pas. Yaka, ne me coupe pas. Yaka, ne me coupe pas. Vas-y. On ne peut pas braver la tempête pour venir écouter ce genre de sottises-là. Écoute d'abord. Jesse J, c'est que nous, on ne va pas accepter ça.
Donc il ne peut pas venir nous parler de ça pour nous narguer. Écoute, je disais qu'entre l'Ukraine et puis la Russie, là, de temps en temps, Poutine s'assoit et les gens pour parler. Je disais ça. Je sais. Voilà. Mais donc, de temps en temps, il faut te calmer. On ne règle pas tout comme ça. Poutine, là, il sait qu'il peut tout faire, mais il s'assoit tous les gens. Il y a ambassadeur, et puis il y a député. C'est pas même ça. Il y a ambassadeur, puis il y a député. Ben dit de lui prendre. Ben. Ok. Qui est dans le monde qui doit faire descendre quelqu'un parce qu'on a réservé une place. Il y a une place ici. Non, mais la place là, elle a été réservée à Vanessa. Je n'ai pas le même esprit que vous. Réservé à Vanessa. Donc vous qui fassiez descendre. Voilà, je n'ai pas le même esprit que vous. Il y a caillou dans mon oreille. Moi, ce genre de truc, là, il ne rentre pas dedans. Mais Ben, je suis focalisé sur mon combat. Je vais aller jusqu'à la gare. Tant que les biens de Dieu ne sont pas sortis, je ne dirai pas le pardon de quelqu'un ici. Et puis, je ne veux pas que quelqu'un me parle de pardon. Voilà. Même Mada ne va pas, moi, me demander pardon. Même si le papa de Tioté se lève, de sa tombe pour venir me demander pardon, tant que les biens de Tioté n'ont pas été restitués. Mais c'est les conditions qu'on va donner à Mada. Pourquoi tu ne te calmes pas? Je vais descendre. Écoute, reste là. Tu as commencé le combat et nous, on reste ensemble. Voilà. As Diesel, tu es plus remonté que toi dans cette affaire-là. C'est parce que tu as la chance d'être à Abidjan, même à là, que c'est toi qui es devant. Si tu étais à Abidjan, là, toi-même, tu connais. Je sais. Voilà. Donc, Mada qui veut venir parler là, elle va sortir en direct. Voilà les conditions qu'on va lui donner. Elle va venir dire en direct que maison là, je ne suis plus dedans, je ne veux pas, je laisse à la famille de Tioté comme mon mari l'a souhaité, mon défunt mari a souhaité. Voilà où nous avons pardonné à Mada, voilà où on a laissé Mada en paix. Voilà. Maintenant, pour finir, Yaka, j'ai compris ce que tu as dit, mais moi j'ai dit, la maison là, Mada ne va pas demander pardon, parce que la maison, c'est un acquis de la famille. C'est acquis. La maison, on ne parle plus de ça. Elle va demander pardon à la famille pour avoir mis les affaires dehors. Elle va humilier. Maintenant. Ou bien. Pour que moi, j'accepte son pardon là. Elle a quand même dit. Pour que moi, j'accepte son pardon, elle a quand même dit où sont les biens de mon frère Tioté. Et puis moi, je m'arrête elle là. Elle a quand même dit qui a. Tu penses qu'on va lui parler que de la donner ça à la famille. Ben, et puis, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je me sens pas concerné dans cette histoire. Donc je vous regarde, je suis sur le panel, je vous regarde. Mais Jesse, pour ta commission, va dire à Mada que Yaka a accepté. Bizarre, Bilal a accepté. Croyez en vous accepté. Diesel n'a fait pas. Oui. Diesel là, il parle plus. Hein, toi, oui. T'es dit ça en même temps. Non, je suis là. Mais moi, j'en sais pas. Je suis là. Ok, calme-toi. On n'a pas encore accepté. Personne n'a accepté ici d'abord. Cette commission, elle est venue faire. On prend la peine d'écouter la commission. On va lui donner notre part de commission. On va partir avec. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un dit qu'il veut finir la guerre. On envoie quelqu'un pour venir brandir le drapeau blanc. On écoute la personne. Et puis nous aussi, on lui donne notre part. Il s'en va avec pour lui donner. Si ça l'arrange, elle fait ce qu'on veut. Et puis on roule dessus. Il y a la motion. Ça là, par exemple. Heureusement que vous êtes ça, c'est les gens comme ça, comme les As des ailes. Quand on t'envoie un drapeau blanc pour aller dans le village, que les autres sont au champ, et puis lui, c'est au village là. C'est les gens quoi, qui allaient m'attraper pour me chicoter cadeau. Pardon que vous n'étiez pas là. Attends, s'il vous plaît. Autant que les gens vont quitter au village, vous venez. Je veux parler pour ma motion. Je veux parler, s'il vous plaît. C'est moi qui vais parler. Bilal. Vous voyez, avant de continuer, d'abord, il me l'a dit deux mots à mon grand frère. Ah, je disais qu'il respecte autant. Il sait qu'il s'est dit. S'il vous plaît, on partage. Voilà. Tu vois, on est dans un combat. Si, en guillemets, l'ennemi adverse voit que le cas adverse est dans la vérité, a raison, a plus de force que moi, et que l'ennemi veut se rallier au bon combat, on écoute. Je ne sais pas si on est d'accord, on écoute. Ce qu'il veut dire, on écoute d'abord. On n'est pas obligé d'accepter, c'est ça. Voilà, on écoute, parce qu'il a vu que, il a vu là où il est là, il s'était trompé. Il sait que l'équipe avance, l'équipe adverse est en face, est dans la vérité, est dans le bon combat. Donc moi maintenant, je me rallie, on continue avec l'équipe. Et on combat maintenant, et on continue le combat. Dans ce côté, on écoute. Motion Bilal. Faites très attention. Jesse s'est rallié pour venir nous dissuader. Je vous le dis. Jesse s'est rallié pour venir nous dissuader. Jesse, c'est un manipulateur comme Edwige. Ils se sont ralliés exprès pour venir nous dissuader de notre combat. Nous dérouter de notre combat. Très attention. Attends, il y a des choses. Jesse, il ferme la porte avant de se laver.
Jesse sait que dès les premiers instants, quand Tony est allé filmer, Jesse savait que la vérité triomphait du côté de la famille Tshopi. On partage. Et on s'abonne à la nouvelle partie. Si Jesse avait pris parti, aujourd'hui, Jesse sait que nous sommes forts. Vous, les 2800 personnes, Jesse sait que nous sommes forts. Donc Jesse va se rallier pour venir nous convaincre. Soyez sûr. Est-ce que écouter une personne? Je l'ai muté. Je t'ai muté. Attends, Bilal, attends, il a dit Azdizel. Tu sais, c'est par respect même là. Je suis venu même vous voir, il y a quatre, tout ça pour vous parler. Sinon là, je prenais 2 milliards de Mada là. J'ai pas acheté 3 cartons d'huile chez Makoso et puis l'affaire était finie. Est-ce que Mada a 2 milliards, où elle est là? Mada a transport même pour quitter à Yopogon pour aller à Tiboulet. Si je prenais dans 2 milliards, si milliards la poêle, je transport pour quitter à Tiboulet pour aller à Tiboulet pour la poste à l'heure. Je suis venu pour médiation d'embauche. Sinon, je peux payer 3 cartons d'huile chez Makoso et puis c'est fini. Hein? Quand tu dis 3 cartons d'huile, ça veut dire que tu as convaincu, tu as corrompu Makoso quoi? Si c'est même payé 3 cartons d'activateur chez Makoso, que lui veut dire. Makoso va mettre projecteur sur toi comme ça, te mettre à Yaka. Hein? Tu me permets, s'il te plaît, parce que toi, tu étais toujours dans ton live, tu ne suivais pas décidé. Tu peux me permettre de parler, s'il te plaît. Vas-y. Voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Si on doit pardonner à décidé, il ne doit pas nous accompagner. Parce que s'il nous accompagne, là, il serait derrière. Il peut nous poignarder. Pardonner à décidé, comment? Est-ce que décidé qu'on vient pardonner? Non, écoutez, non. Permets-moi de finir de parler. Je ne serai pas dedans. Okay. J'établis juste le contact. Voilà, le contexte, non. Yaka, la conversation de Jesse J avec Madala, il t'envoie, tu écoutes. Tout le monde. Mieux, je donne le numéro de Madala. Est-ce qu'il y a besoin de conversation? Envoie la conversation, là. Il y a trop de sociétés. Attends. Pourquoi tu as donné le numéro de Madala? C'est Madala qui a la conversation, là. Il faut l'envoyer. Yaka, tant que tu n'écoutes pas la conversation, là, tu ne pardonnes pas à Jesse J. Vous l'avez écouté, vous chauffez tête de l'homme, hein. Qu'est-ce qu'il y a même? C'est quoi, on dit là, vous n'entendez pas ou bien? Hey, on parle, vous faites Gokalan pourquoi? On dirait des enfants. Est-ce que on t'a dit que c'est à Jesse, on vient pardonner. Jesse, on a quoi à pardonner à Jesse? Jesse vient plaider pour Mada. Donc on lui pardonne quoi? Hey, on sait pas Jesse, le truc c'est Mada. Donc moi je dis, si Jesse dit que Mada veut nous parler, Jesse donne notre numéro à Mada. Mada nous appelle et puis on va écouter ce que Mada a nous dit. Et ça nous convient. On lui donne aussi nos conditions. Et si elle veut respecter nos conditions, on va sur ça. Voilà, c'est simple. On n'est pas ennemis de Mada non plus. On monte en descente, c'est les enfants de Tioté qui sont un Mada. Si on a réussi à récupérer les biens là, c'est à l'avantage de Mada tôt ou tard. Parce que si les biens là reviennent aux enfants de Tioté, un jour Mada et les enfants de Mada ne peuvent pas manger la langue de ça sans leur maman. Donc on est en train de mener le combat de Mada nous-mêmes aussi. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas ennemi de Mada, pourquoi on fait? On dirait qu'on est dans la jungle. Yaka, il gagne temps, ma pause est finie. Ok, mon frère, va travailler. Merci, monsieur. On parle, et puis vous êtes en train de s'affoler. Toi, belle Mamadou, tu montres que oui, on ne pardonne pas à Jesse. Est-ce qu'on va pardonner à Jesse pourquoi? Est-ce que Jesse, il a quoi à faire? Il est libre de prendre son camp pour défendre. Il a défendu un camp. Nous, on a défendu le bleu. Nous, on a défendu un camp. On aurait pu ne pas avoir raison. Dieu a fait qu'on a été plus lucide que ils ont pris le mauvais camp, nous on a pris le bon camp pour eux. Dieu nous a donné raison, Dieu nous a élevés, on n'est pas venu bafouer cette élévation-là sous prétexte que Mada. Si Mada vient demander pardon, c'est encore une élévation. Ça veut dire que vraiment Dieu nous a élevés. Et on doit prendre ça. On doit saisir ça et puis donner nos conditions à Mada. On a compris, arrête de crier sur nous maintenant. Laisse-moi tranquille. Vous allez me donner mal à la tête. On a compris. Je n'avais pas compris comme ça. Mais je viens de comprendre. Quand tu rentres dans une affaire, cherche à comprendre. Là, vous donnez mal à la tête aux gens. Je suis trompé, c'est comme si je me suis trompé. Ils ont chauffé ma tête, hein, ceux-là. Quand Jesse devient comme ça, là, cela veut dire que le combat était bien. Cela veut dire qu'il y a progressement. Ou bien, Ibrahim, je m'en. Oui, tu as raison. Cela veut dire que c'est ça que tout le monde cherche. Moi, je veux que ta tête chauffe même. Cela veut dire que le combat, à ce que vous avez fait là, ça donne le résultat. Ce que j'aimerais rajouter, Azdizel aussi a raison, parce qu'il faut faire preuve de prévention, parce qu'on ne peut pas se
se fier à tout ce qu'il est en train de dire. Parce que non, Écoute-moi, Yaka, tu sais, Mada connaît ton panel. Mada est abonné à toi. Mada est abonné à Kouraïs en vous. Je vous le dis, hein. Mada est abonné à Aya Robert. Si Mada même, elle n'a pas appelé Jesse Dieu pour monter sur Luc Moll, ne m'écoute pas. Il faut qu'elle mette quelqu'un devant. Elle ne peut pas venir directement. Ibrahim, laisse-le finir, tu vas parler. Ok. Ne m'écoute pas, tu as parlé, ne m'écoute pas. Si Mada n'a pas appelé Jesse Dieu lui-même pour monter sur son panel, c'est lui, elle va appeler pour venir nous demander pardon. L'adversaire d'hier, restez concentré. Parce que la personne qui devait venir nous demander pardon là, c'est celle qui a le numéro de Mada, où Mada est monté sur son panel là. C'est elle qui est porte-parole de Mada, non? Si Jesse Dieu lui-même, tu sais très bien qu'elle ne va jamais s'avouer vaincue, tu le sais très bien. Voilà, maintenant si Jesse Dieu lui-même, il a mis 20 mois dans le panel, c'est pas Jesse Dieu qui va venir. Elle ne va jamais s'avouer vaincue. Donc, si elle, Mada, c'est qu'elle ne peut pas compter sur elle pour venir nous demander pardon. Mada, même, c'est ça. Nous aussi, on veut 10 000 personnes connectées. Madame Naka est venue sur le panel de Yaka. On est à 3 000. En plus, ça, c'est un compte qui n'est même pas connu. Ça, là, il y a 20 000 abonnés seulement sur ça. Madame, si tu parles comme ça, on ne court pas derrière visibilité. Voilà, le bio, si tu parles comme ça, c'est comme si on était à la recherche de visibilité. Oui. On est dans un combat très noble, le bio. Attends. Tu sais comment le game, tu connais le game. Tu sais que les gens là, demain là, c'est ce qu'ils vont pas pouvoir avoir comme argument. Aujourd'hui, on est très bien dans nos bottes, on est très bien lancé dans ce qui se passe. Vous comprenez? Aujourd'hui là, on a un objectif. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aller au fin fond de ces acquéreurs là, pour qu'ils restituent les biens de Tshotechek. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est pas là en train de parler de Mada. Nous, on s'en fout de Mada. Comment nous, on va faire pour rentrer en possession de tout ce qui a été vendu, hypothéqué? C'est de ça qu'il s'agit. Ne vous laissez pas berner par tout ce qui va venir derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Pardonnez, restez concentré. Voilà. Laisse-moi. Restez lucide. C'est tout ce qui est de ça. Bio, tu es un frère, tu es un grand dos, tu es un vieux père, tu es mon vieux mort. Tu connais, ça chauffe pas. Reste concentré. Il n'y a pas de problème. Comme tu es en live là. Voilà, faut pas te laisser berner. On s'en fout des malades. Hein? Si Mada savait, ton téléphone, le vieux entendait, hein? On entend ta conversation. Hein? Yaka, mute-toi. Okay. Yaka, mute-toi. Merci. Merci. Yaka, mute-toi. Merci. Croyez en vous. Yaka, mute-toi. Yaka n'entend pas, hein? On n'entend pas. Croyez en vous. C'est ça qui est en train d'arriver comme ça. Si tu as vu que Dieu est venu là, il n'a pas venu mentir. Merci, c'est parce gentil. Que la dame a parlé de lui. Je te dis merci, tu me fais bénédiction. Je te dis merci, c'est normal. Yaka, on t'attend. Hein? Voilà. Tu me fais des bénédictions. Quand tu fais des bénédictions, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, on est ensemble. Hein? Ok. Ok, ok. En tout cas, c'est ça. Ok, on va continuer dans les donations. Voilà. Vanessa, tu es là? Vanessa. Ok, vas-y, Bilal. Je voulais dire à mon vieux père, si le gars l'adresse est ramené, on écoute tout ce qu'il y a dans son ventre, tout ce qu'ils ont manifesté entre eux là-bas. Il va venir nous dire tout. Mon frère, excuse-moi. Quand il laisse parler, on écoute. On fait comme si on est idiot. Les gens sont en train de chauffer. Tu comprends ce que tu dis, non? Tu sais que tu es idiot. Okay. Tu l'amènes le gars. Il va tout te dire. Et puis tu es là maintenant, tu continues. Ton combat continue.
Tranquille. Comment on appelle ça? Vous là, on n'est pas à la maternelle, hein. On n'est pas des enfants, on est tous adultes majeurs vaccinés. Voilà. Madadi, elle vient demander pardon. On la laisse venir, s'il vous plaît. On s'affole pas comme des enfants, des gamins en train de chauffer le panel comme ça. On sait quoi? Vous êtes dans quoi là? Hey! Vous vous comportez comment comme ça? Madadi, elle vient demander pardon. On la laisse venir. Maintenant, dans pardon là, nous on va lui dire ce qu'on attend d'elle. C'est tout. Est-ce que Madame peut nous mettre en bouteille pour nous faire arrêter ce qu'on nous fait faire ce qu'on n'a pas envie de faire? Quelqu'un dit que, pardonnez, je reconnais, Madame a été manipulée, tout le monde sait ça. Tout ce qui s'est passé, c'est Madame seule peut faire ça elle seule. Elle a été manipulée, on est bien conscient de cela. Toujours est-il que c'est la maman des enfants de Tioté. Voilà. Donc, elle dit que vraiment, je suis. Seuls les imbéciles ne changent pas. Si elle décide que oui, je reconnais maintenant que je suis en tort parce que vraiment, les choses sont en train de prendre une autre tournure. Comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas en train de creuser la tombe de Mada pour l'enterrer. On est en train de se battre pour récupérer les biens des enfants. Si Mada vient, comment elle s'est arrangée pour faire les manipulations pour vendre les biens là? On va lui demander de s'arranger comme ça pour aussi récupérer les biens. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on est obligé de venir se battre ici sur panel pour expliquer ça? On n'est pas bête, on n'est pas des enfants. Ou bien? Non, c'est ce que je suis en train de dire. Parler, pardon. Vas-y, Samassoko. Moi, ceux qui sont sur position Ben, As des alliés, vous comprenez. Mais moi, je pense que c'est déjà une victoire. Hein. Quand Mada avait venu, déjà, c'est excusé. Oui. Déjà, c'est rallié. C'est déjà une victoire. On ne peut pas repousser. Comme le VP Yaka Yaka a dit là. Mada n'est pas notre ennemi. Voilà, Mada n'est pas notre ennemi. Donc, si aujourd'hui, elle-même, elle a pris conscience pour dire, ah, ce qui est fait, il est vieux. L'écoutez la sacrée. Madame, manipulatrice, comment, Madame, c'est ce qu'elle manipule. Laissez-vous me connaître. Voilà. On prend la peine de l'écouter. Madame, elle est manipulatrice parce que Madame va venir me manipuler. On veut reconcilier la famille. Arrêtez de respecter l'intelligence des gens. On veut voir les enfants dans les bonnes conditions. Si aujourd'hui, Vanessa. L'intelligence des gens, s'il vous plaît. La dernière fois, Vanessa s'est fâchée. Vanessa a dit, manipulez-moi. Comment? Vanessa a dit, elle veut bien savoir les trucs. Madame. Tu vois, non? Vanessa dit, elle veut rien savoir de Mada. Si aujourd'hui, on arrive à réconcilier la famille devient unique, soudée, plus que jamais. C'est déjà une victoire. C'est ce qu'on veut. Tu vois, ils l'ont trafiqué. Tu sais, quand quelqu'un est désespéré comme cela, la personne est prête à faire tout. Et Mada, elle a vu que l'autre côté, il ne veut même pas dire non. D'une manière, elle pensait que là, elle pouvait la défendre. Mais elle-même, là, et puis l'opinion nationale même, tout le monde sait qu'elle a échoué là-bas. Mais, là, on est Yaka, calme-toi, Ben, calme-toi, pardon. Yaka, écoute, Yaka était sur panel de trucs, Wakatologue hier. Mais on a vu le plus grand défenseur de Mada à niveau de l'autre. On a écouté. Et tu comprends, le plus grand défenseur même de Mada s'est rallié. C'est déjà une victoire. Jusqu'à, ils se sont mis soi. Ils ont commencé à faire la guerre entre eux-mêmes là-bas. C'est déjà une victoire. Non, veut que là, Jean, du moment Mada arrive à excuser tout. Mais on l'écoute, Yaka, il écoute très bien, Yaka, il est très strict. Elle ne peut pas venir nous trafiquer. On l'écoute. Si ça nous convient, on prend. Si ça ne nous convient pas, on ne prend pas. Bonne boy a joué une note de Edwige Milan sur le panel de Wakatologue. Papa, crois, si tu as écouté une note là, tu as attrapé ta tête. Tu vois. Bah, il a enregistré. Il a enregistré. Pendant qu'il a enregistré, c'était chaud hier. Ah bon? Tu voulais savoir? Ah, demande à Yaka. Il a enregistré la conversation. Hier, sur le panel de Wakatologue, là-bas, il y a 3 heures du matin. Wakatologue, c'était gâté là-bas. Tu vois. One boy a mis une note, ce n'est pas une note vocale, hein. Elle a appelé et il a enregistré. Mais écoutez, moi je vais dire quelque chose. Voilà. Vanessa est là, on connaît Mada, vous comprenez? Mada, c'est une manipulatrice. Je vous jure, c'est tout ce qu'elle cherche. Donc, tu penses que Mada peut venir me manipuler? Non, c'est ça que Yaka dit que elle ne peut pas la manipuler. C'est ça que Yaka dit que elle ne peut pas la manipuler. C'était l'intelligence de l'homme même, quoi. Ouais. Voici le mec de gay. Fais confiance à Yaka. Elle ne peut pas manipuler Yaka. Moi, je ne doute pas de la capacité. Non, je ne doute pas de la capacité de Yaka. Non. Écoutez-moi très bien. Je ne doute pas de la capacité de Yaka. Moi, j'ai dit. Comme preuve de prévention là, hein, on connaît le personnage en question qui est Mada. Mada est la plus grande manipulatrice. Croyez-la vous, attendez-vous quelque chose. Croyez-la vous, attendez-vous quelque chose.
L'homme de Mada était hier. L'homme de Mada est venu hier. Mais Yaka n'a pas regardé. Mais nous, on s'en fout de l'homme de Mada. L'homme de Mada est venu demander pardon d'abord et puis essayer d'arrondir les angles. Mais tout le monde sait comment il lui a parlé sur le panel de Vocatologue hier. Moi, j'ai pas su les gens comme cela. Est-ce que j'ai été tendre avec lui? Moi, pour suivre l'homme là, voilà. Les gens disaient non, c'est un papa. Il analyse trop. Il reste poli. Je suis resté poli, mais lui a dit mes vérités. Yaka, tu m'as mis dans le problème ici, tu dois demander pardon. Pendant que vous êtes jeté par terre, on dirait à Dieu Daniel. Yaka, j'ai dit. Yaka, Yaka. Ça se roule à gauche. As Diesel, même il reste un peu, son nez va finir sur goudron là. En fait, c'est une panne. Yaka, tu m'as mis dans le problème. Tu sais que tu m'as mis dans le problème ici, non? Il y a Vanessa qui a déjà mis son micro. Attends, j'ai dit. Mon vieux m'a envoyé, il lui a dit non, le vieux, pardon, je suis concentré sur mon direct ici. Il dit ok, d'accord, va être ton Yaka de Paris là-bas. Allez-y, vous. Le vieux a bien fait. Je n'arrive pas à mettre Vanessa en grand. Mettez Vanessa en grand. Elle a ouvert son micro. Bonjour, papa. Allez bien. Vanessa, mettez Vanessa en grand. Il n'arrive pas à le faire. Ça va bien, merci. Ça va. Voilà. Ça, c'est le père. C'est le père bio. André, salut, papa. Derrière des ailes, tu ne vois pas. André, salut, le papa bio. Ah, mais faut être aussi. Il n'y a pas entendu. Salut, le papa bio. Alors, ok. As le vieux frère. Le vieux a 26 ans. Il a frère. Ce qu'on va faire, on reprend la 5 minutes de silence. Sinon, tout le monde est énervé. On va faire la folie à tout le monde. Mettez Vanessa en grand, s'il vous plaît. C'est tout ce que moi demande. Il y a quelqu'un qui est en bêtise, c'est moi, mais il reste en grand. Ah, ok. Voilà. Maintenant, viens me frapper. Aujourd'hui, là même, tu as quoi, même? Il se voit des silences, tout le monde est énervé. Tu prends aussi quoi? Qu'est-ce que nous, matin, là? Tiens, maintenant, venez me frapper. Mais ça n'est direct, comment? On parle même, vous n'entendez pas, on dirait que vous prenez, vous consommez un mal ensemble. Voilà. Yes, c'est le fou, il y a son outil aussi. Alors que vous dites, Jesse a parlé là, c'est une victoire comme ça. C'est le fou, il y a son outil. Nous, il bat bien même dernier cri. Le clan, ça, ce soir, c'est déchiré là-bas. Il faut te déplacer un peu. Il y a Vanessa qui a ouvert son micro. Vanessa dit quoi? Vanessa, on t'écoute. Mais on continue par les numéros et les. Mais il faut donner maintenant. Ou que tu n'es pas sur le panel aussi. Non, mais c'est toi qui t'occupe ça. Non, il faut donner. Toi, il faut donner maintenant. Vanessa, t'es là. Vanessa, t'es là. Tu m'entends pas. Je t'entends. Donne le numéro. Le numéro, c'est le 0758. 88 38 43 07 58 38 58 88 attends. Mettez le numéro s'il vous plaît par rapport aux frais d'avocat là s'il vous plaît. Attends. 07 58 vas-y. 58, 88, 83. C'est ça? 83. Ok. Voici le numéro. C'est 43, c'est 2 fois 07. Hein. C'est 2 fois 07. Écrivez bien. 2 fois 07. 58. Vanessa, toi, il faut donner tout le numéro là. Numéro, c'est 10 chiffres maintenant, Abidjan. C'est pas 2 fois 07, hein, Ben. C'est pas 2 fois 07, hein. Mais pourquoi c'est 8 chiffres? C'est 07, 58, 88,
43. T'as fait 8 chiffres. Abidjan, c'est 10 chiffres. Attends. 07. Vanessa Redon, s'il te plaît, on copie. On a écrit en commentaire pour épingler. On a écrit en commentaire aussi. C'est mieux. Ouais. On n'attend pas. Elle a problème des réseaux. On ne peut pas faire autrement, Ben et Bilal. On ne peut pas faire autrement, mon frère. Elle a problème des réseaux. Donc, voilà. Et puis, elle est en compagnie de certaines personnes qui des autorités qui sont à la maison là-bas. Elle ne peut pas trop. Voilà. Écrivez dans les commentaires. C'est pas mieux entendre quand il va finir avec les autorités là, on reprend pour ne pas se jeter en brousse. Bon, ça m'a dit qu'on doit profiter du moment qu'il y a plus de visibilité, il y a plus de personnes qui peuvent donner. Non, bah, le numéro, il faut qu'on soit sûr du numéro. On est bleu. Mais il y a quand même le numéro. Levez. 00-225-07-58-38-43. 00. Il y a des gens qui se la font, numéro, on vous bloque. 00-225. 07-58-38-43 à la fin. 38-43 à la fin. Orange Money et Move. Wave. Orange Money et Wave. Mais pourquoi mon commentaire va pas? Yaga, voilà le truc de chez vous là. Il y a quelqu'un qui a dit, Edwige, si vous mentez sur Mada. Ma chérie, c'est nous, on est menté sur Mada. Voilà ça, voilà le truc de chez vous là. Yaga, voilà Konina, Agouti. Tu n'es pas intelligente. Venez manger Agouti chez moi. C'est pas nous, on a dit. C'est toi qui es en train d'écrire là. C'est Jesse qui est venu nous dire. Voilà, donc nous on s'en tient à ce que Jesse nous a dit et puis on est en train de décortiquer. Et puis son enregistrement est sorti même. Si c'est vrai ou c'est faux, ça c'est. Si Jesse ment, ça n'engage que lui. Okay. Et toi là, faut pas qu'ils vont couper mon live à cause de ça. Hein. C'est Agouti. Mais c'est Agouti là. Si un petit peu coupe mon live ici, ils n'ont qu'à bloquer ma page ici encore. Hein? Descendez Ben pour 10 minutes en bas. Qui ça? T'as pas me fait ça. Ah mon frère. Mais c'est quoi même? Solo Agouti. Tu as montré Agouti Ben ici là-bas. Tu vas montrer Agouti mort dans mon live, ils vont bloquer mon live. Ils vont bloquer l'autre page, tu vas venir encore montrer Agouti mort ici. Ils vont bloquer ça encore, puis je ne pourrai plus parler. Hein? Yaga, oui. Yaga, qu'est-ce que tu penses de la résidence de 20 000 que Wadmiel c'est là? Écran 32 pouces derrière maintenant. 32 pouces, toi qui es là, c'est pas 12 pouces. Non, c'est 32 pouces. 32 pouces, c'est gros que celle-là, celle-là, c'est 12 pouces. Vieux climatiseur maintenant derrière. Oh, regarde les enfants. Je me donne des graines d'un coup. Chérie, je vous jure. Moi, je vous jure. Madame Poulet. Allez, moi, j'ai regardé les 15 000. Mettez-vous. Est-ce qu'elle a pris les objectifs? Est-ce qu'elle a envoyé l'argent sur le numéro orange? Envoyez, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais m'adresser à tout le monde ici, d'abord, d'entrée de jeu. J'aimerais m'adresser à tout le monde. S'il vous plaît, faites à cause de Dieu. C'est pas qu'on a besoin, vous comprenez? Mais faites un geste. 2 euros, 1 euro, 1000 francs, 2000, tout. Tout ce que vous allez faire est la bienvenue. Tout acte que vous allez poser est la bienvenue. Moi, c'est fait. Merci, Nadous. Merci beaucoup, Nadous. S'il vous plaît, commencez à envoyer, faites des gestes. C'est ce qui est le plus important. Donnez quelque chose. Même si c'est 100 francs, 200, 300, donnez quelque chose. On n'est pas ici en train de faire la mendicité. On n'est pas en train de commander quelque chose. On est en train ici de dire on a besoin d'aide de tout le monde. Voilà, on a besoin de vos aides. S'il vous plaît, donnez, même si c'est 2 euros, 1000 francs, 2000, 3000, envoyez au numéro. Le numéro est le suivant. Voilà, le numéro auquel vous devez envoyer. Toutes les personnes qui vont écrire les messages qui se disent sur le live là-bas, là, je bloque la personne dans la paix du Seigneur. Tous ceux qui vont écrire les messages du live qui se disent, tout ce qui se dit là-bas, là. Tu écris ça dans le commentaire ici, je te bloque. Dans la peine. Alors, pour ceux qui sont en train de demander pourquoi on doit cotiser, vous cotisez parce qu'on a des charges.
on a des charges. C'est vrai, la famille est vraiment proche de certains footballeurs. Mais aujourd'hui, là, il n'est pas question de ça. Nous-mêmes, en tant que citoyens ivoiriens, on a le droit et le devoir de venir en aide à la famille. C'est notre droit et notre devoir. Pour ces personnes qui ont vu Tioté jouer, pour ces personnes qui ont vu Tioté chèque, hein, qui ont connu Tioté chèque, là, on le fait pour Tioté, on ne le fait pas pour la famille. Vous comprenez? Les joueurs vont faire ce qu'ils doivent faire. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, s'il vous plaît, pour la grâce de, par la grâce de Dieu, et je demande à Dieu de vous donner les moyens et les finances de pouvoir aussi contribuer. Aya Robert se repose, elle est fatiguée, elle dort. Oui. Arrêtez de crier. Où est Aya Robert? Oui. Oui. Ils ont des occupations. Aya Robert, elle fait live toute la nuit. Si la journée elle dort aussi, vous la cherchez. Aïe. Laissez-la, elle va se reposer aussi. Je t'ai dit. Ok. Ah. Ok. Donc, le numéro est le suivant. Mettez le numéro 00007 0707 58. Non, tu t'es trompé. C'est 07-58-88. Madame Malika, Abidjan, il y a 10 chiffres maintenant. C'est combien? Oui, oui, oui. 07-58-82. Non, pas 82. C'est moi les choses comme ça. Arrêtez d'écrire les faux numéros en commentaire. Pourquoi vous faites ça? 07-58-88-38-43. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il a envoyé 10 000. Merci beaucoup. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a envoyé 1000 francs. Merci beaucoup. Merci infiniment. On ne peut pas épingler. Si il y a des gens sur le panel, on ne peut pas épingler. On peut pas. Par exemple, vous savez, il y a mes faux numéros, il faut les bloquer. Arrêtez de venir naquer dans le malheur des gens. C'est quel problème? On dit croyant, vous apportez une lunette de Mara. Je vous jure qu'il apporte une lunette de Mara. Voilà. On dit c'est mieux d'épingler. J'ai envoyé 2000 francs. Merci beaucoup, Trésor. On ne peut pas épingler tant qu'il y a des gens sur le panel. Mais il ne faut pas mettre les gens en grain. Il faut mettre Vanessa en grain. Ils vont lui envoyer des cadeaux aussi, souvent. Mais là, en grain, moi, c'est qui? Dans l'affaire de Vanessa, moi, c'est qui? Voilà. Mais ma pédition en grain. Ma pédition en grain. Attends, vieux, en fin de compte, là, si Mad avait venu s'expliquer, on va accepter, non? Moi, si madame m'appelle pour dire qu'elle veut s'expliquer, je vais prendre la peine de l'écouter, c'est la moindre des choses. Je prends la peine de l'écouter. Si j'entends ce qu'elle dit, je lui donne aussi nos conditions dans la paix du Seigneur. Si elle est capable de respecter ça, marcher dessus, elle va nous donner l'exemple et puis on va s'arrêter. Déjà, elle va sortir pour annoncer officiellement devant tout le monde, comme elle est montée sur le panel là-bas, là, pour dire que la maison la revient à la famille Tioté, comme Tioté l'a souhaité. Parce qu'elle est belle et bien au courant que c'était le souhait de Tioté. Comme façon, il a voulu faire la mosquée pour les musulmans. Aussi, les autres maisons qu'elle a vendues là, illégalement là, on va trouver la solution pour récupérer, pour annuler ses ventes. Si Mada est d'accord pour ça, nous on roule à elle. Tranquille. Ah, il y a Iser qui a envoyé 50 euros. Merci beaucoup, Iser. Merci beaucoup, Iser. Merci. Okay. Merci. Vanessa, tu reçois ou pas? Vanessa, attendez, je l'appelle. Il y a qu'à écrire le numéro en message flottant. Message Vanessa, flottant, comment on fait message flottant là? Vanessa, on dit d'écrire le numéro en message flottant. Comment on fait message flottant, s'il vous plaît? Vanessa, tu reçois ou pas? Je reçois, je ne sais même pas pourquoi le micro là. Mais si tu reçois là, il faut ouvrir le micro pour dire aussi merci. Voilà, pour en fait, je parle, mais je ne sais pas si c'est mon micro qui est défaillant ou bien c'est la connexion. Ok, ça doit être la connexion. Par exemple, direct chez vous là-bas, il y a des endroits où il n'y a pas de connexion. Où la connexion ne marche pas bien. Il ne faut pas aller t'asseoir sur la patame là, il n'y a pas de connexion là-bas. Ah, mais comment tu sais que sur la patame, il n'y a pas de connexion? La dernière fois, je disais les rentrées là-bas, on était en direct, ça buguait grave. Ah, d'accord. Il était dans votre cour là-bas, il est parti sur la patame là-bas, là c'est fini, on ne pouvait plus le voir. Donc j'ai retenu ça. Donc maintenant, s'il est fait là-bas, là, il n'y a pas allé sur la patame. Là-bas, il y a un bois aussi pour t'étaper. Ah. Elle dit, mais comment disait que sous la patame, il n'y a pas. Hey, je sais remarquer les choses. Je ne sais pas. Oh là 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 là. Merci, Africain. Africain, attends, il y a le nom. C'est quoi? Africain Boutine. Ah, merci. Africain Vibe.
Merci beaucoup, African merci. Vibe. Elle fait partie du village. Voilà, c'est. Mais, c'est on ne peut pas demander sa provenance. Si chacun, chacun veut dire provenance de ceux qui donnent ici. Là. Il faut reconnaître qu'il y a les villageois et les villageoises qui sont ici. Donc respectez mon village. Depuis qu'il a fait 200 cas là, il n'est plus aimé. Respectez les villageois. Merci beaucoup. Tous ceux qui m'envoient fleurs là, ils font partie de la team bio. Merci pour vos fleurs. Les fleuristes là. Le jardinier. Je crois avoir fait 200 cas là, n'est plus aimé. Merci à la personne qui a envoyé. La baleine du futur. Il y a Flora Zalo qui dit, croyez en vous, je viens en Italie pour un spectacle le 24 août. Il y a 3000 euros là. C'est un faux, compte. Ok. Bloquez-le. Flora, rentre en privé avec moi, on va organiser. Il y a te fait connaître aussi. Bloquez-le. Celui qui dit qu'il a 3000 euros là, bloquez-le. Il y a te mettre en contact avec la tueuse du Mapuka. Voilà. Merci la team bio pour les fleurs, merci. Yaka, pardon, s'il te plaît, je vais poser une question. Si jamais madame monte là, tu sais que nous, on ne pourra pas participer. Oh. Non. Nous, les gens, pardon, je vais te poser une petite question si jamais elle monte. Uh-huh. Au fait, moi, merci d'abord à vous. Elle a dit que madame va monter ici déjà. Non, parce qu'elle a dit qu'elle allait parler si jamais elle parle avec vous. Moi, ma question, quoi, parce que l'autre côté là-bas, on entendait où on lui a demandé si elle est mariée depuis 2007. Elle a dit oui. Moi, j'ai une préoccupation parce que ici, quand on vient là, dans le coupement, nous tous, on sait comment on fait les documents pour venir. Donc, moi, je voulais que tu demandes à madame. Il y a un monsieur, il voulait aider une famille. Il allait reconnaître l'enfant. L'enfant là, c'est pas pour le monsieur. Mais il allait, comme on fait les business pour venir sur le faire hein? Voilà, il allait, il a fait le coupement, il a hein? Fait comme pardon, si l'enfant. Il faut coder, ma chérie, il faut coder. Ah, bon, elle était en train de parler, on est dans la chambre en train de coder. Toi aussi. Adama, vous montez sur le panel et puis vous parlez comme ça, oh ha. On est sur le panel, il y a 3000 et quelques personnes, et puis tu es en train de piquer nous, si qui nous suit pas, tu sais même pas. Hey! On doit tout vous expliquer. Bon, je m'excuse. Il voulait faire voyager l'enfant. Il a fait comme si l'enfant était à lui. Quand il a fait ça, l'enfant a porté son nom. Nous tous dans la famille, on sait que c'est pas pour lui. Faut coder. Faut coder. Merci. Vous aussi vandalisez là. Il était dit. Hey. Vandaliser la vie. Il y a des gens qui parlent là. Tu as dit qu'il y a Firong dans les têtes. Tu as pensé qu'il y a Firong non mu dans son cerveau. Adama. C'est du là. On dirait nos marchés. On dirait nos marchés de poissons frais de Koyara. Faut pas arriver sur les Koyara. Il arrive sur le coyard, tu as fait quoi? Pardon, Yaga, vous pouvez arriver sur le coyard. Il a mis la télé sur le coyard, il faut me provoquer. Pardon. Ah bon, il y a d'accord. Trop peur de ta bouche. Je t'ai peur de ma bouche là. Tu fais bien d'avoir peur de ma bouche. Tu fais très bien d'avoir peur de ma bouche, hein? Bizarrement, même voilà. Le cellophane, même là, c'est là plus que le coyard même. Donc c'est bon. Ah. C'est pas possible. Non, faut pas confondre les choses. Koyaka ne comprend pas français, c'est une fois ne se lave pas. On est d'accord, ça c'est... Voilà. Pas... C'est vrai. Pas Bilal la de te lave. Le plus frère est que montre ton visage. Non, Yaka lui, c'est une fois de Paris. En tout moment, je m'appelle Ibrahim Akouni, j'attends mon nom. C'est ce que j'ai dit l'autre vocal là-haut. Comme moi, t'es dit à l'abeille, C'est ce que j'ai dit dans l'autre vocal là-haut. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit, il va dire, mais, comment là tu m'es mis là-bas?
Koyera même fait même pas d'effort dans quelque chose. Mais pas Koyera qui l'a parlé il y a quand on peut laisser, on peut. Oui, coco, oui, mille tu mets mingamba, hein? Que l'homme du bas dans l'homme, hein? Moi, t'es déjà là. Adama. L'homme du bas dans l'homme. Elle voit de Koyera sec. On sait que c'est la même, c'est une bonne vendeuse de poissons, frère. Bonne vendeuse moins, de poissons, frère. Au moins, c'est bon. Parce que tout ça, là, même, là, la seule chose qui est bien, c'est que vous êtes jolie, qu'elle est Yakuba. Et voilà la tête de Yakuba maintenant qui arrive de l'autre côté, derrière le carrefour là-bas. Voilà la bouche de Guéré maintenant. Eh, Seigneur, ceux-là, vraiment, Dieu a créé un peuple de. Voilà les pieds, en bas de les pieds là, c'est cassé, cassé comme ça, rien éclair. Non. Ah, c'est tant d'amateurs là, si tu vois là, c'est nouveau, tu serais déçu. Les cerveaux sont André Métis. André Bassa Kringue. Merci à la merci personne à qui a envoyé le cadeau là-haut. Merci, merci, merci. C'est quoi son nom? Voilà, mettez-vous en écoute un message que Jesse vient de m'envoyer. Mettez-vous. C'est African Vibe. Merci beaucoup. Ah, merci, monsieur. African merci. Vibe. Mettez-vous. Merci. Toi qui demande à moi, je suis gourou. Hein. Tu sais forcément que c'est pas moi de donner plus de détails. Moi, je suis un envoyé. Celle qui va donner plus de détails, c'est Mada elle-même. Donc, demande à mes frères et sœurs là de calmer le jeu. Et quand je vais établir le contact avec Mada, si elle n'a pas convaincu sa belle famille, voilà, ça c'est autre chose. Mais franchement, la dame, elle veut faire une médiation. Elle veut faire une médiation, essaie de calmer le jeu jusqu'à ce que, bon, voilà, il puisse, voilà, vous puissiez entendre ce qu'elle a vous dit. Tu vois un peu? C'est la première fois que la voix de Jesse me paraît sincère. Qu'en dites-vous? La première fois de ma vie. Yaka, voilà, c'est ça, il voulait te poser. Tu n'as jamais cru à Jesse. En tout cas, moi, vous connaissez ma position. J'en dis de vous rien. Vous connaissez ma position. Moi, j'en dis de vous moi, rien. Moi, c'est la première fois, Yaka. Parce que je sais que Yaka n'a jamais fait confiance à Jesse. Jamais de la vie. Jamais. Fait confiance à Jesse, dans quoi que ce soit. Dans quoi que ce soit, Jesse, quand on dit c'est Jesse, moi, il me lève pour quitter là-bas. Mais voilà, on ne comprend pas. Rien à ce que tu as pris. Non, ça ne veut pas, mais moi, ici, c'est nouveau. Toi aussi. Ça me prend comment? Ça ne veut pas me prendre. Mais anyway, c'est lui qui a parlé. J'ai mis ça pour que tout le monde puisse entendre que malgré le fait qu'il soit passé sur le live, il est descendu encore pour m'envoyer un message vocal. Parce qu'il veut me prouver sa sincérité dans sa démarche. Donc, on prend ça comme ça, on ne se braque pas, on reste ouvert. Voilà. Nous, là, on tient le bon bout. C'est vrai, ouais, c'est faux. Ouais. C'est que nous, on est dans notre combat. S'ils viennent, on prend la peine de les écouter. On va se concentrer pour leur donner nos conditions. S'ils acceptent et qu'ils roulent dessus, ils vont nous donner la preuve. Ils vont commencer et puis on va regarder. Si on voit qu'ils sont sincères, on les accompagne dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On doit les écouter. Ben, on a besoin de Young Boy aussi, hein. Lui, il a beaucoup de secrets. Lui, il a beaucoup de secrets. Il s'est enregistré. Excusez-moi, je prends un appel très important. Et Daniel Bizou, si tu as deux oreilles pour écouter plusieurs panels, c'est ton problème. Mais nous, là, on a deux téléphones aussi, puis on n'est pas sur l'autre panel. On aurait pu mettre ton panel ici pour faire écouter, puis on a décortiqué dessus. Si on n'a pas mis là, parce que ça ne nous intéresse pas. Si vous partez prendre ce qu'on dit là-bas pour mettre, je vais vous bloquer, je vous ai déjà dit ça ou pas? Ou bien, ce qu'il a dit là, vous n'avez pas entendu? Moi, je peux mettre son live là-bas et puis on va écouter. Ou bien, si il ne met pas là, c'est pas important. Vous êtes pas bateau jusqu'à la moelle épinière. Vous voulez écouter plusieurs lives et puis mettre les gens en palabre à gauche et à droite. C'est quoi votre problème même? Elle est libre de dire ce qu'elle veut sur son panel. Est-ce que nous, on est obligé d'écouter ça? On ne met pas pour écouter parce que ça ne nous intéresse pas. Mais vous, là, il faut que vous partez écouter. Venez écrire ça dans le commentaire ici. C'est quoi le projet? C'est quelque part qui frise à la sorcellerie, ça. Oui, non, il y a eu.
La personne qui écrit quoi que ce soit concernant l'autre live là-bas, je bloque la personne, même je ne parle plus. C'est la dernière fois que je préviens. Pakpatoya accéléré. Pakpatoya accéléré. Sans vite. Pakpatoya à outrance. Oh. J'ai mon deuxième téléphone. Je peux cliquer sur son nom. Elle m'a bloqué nulle part. Je mets le live et puis nous tous on écoute. Et puis on va te critiquer dessus. Mais je ne le fais pas parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà, faut pas aller écouter. Vous venez écrire ici pour orienter notre comment on appelle ça, notre esprit vers elle. On n'a pas besoin de ça. Si toi seul, tu n'es pas concentré, faut pas venir nous distraire. Ah, vous fatiguez les gens, hein. Moi-même, j'ai arrêté de lancer live si vous continuez comme ça, hein. Ah, laissez ça là même dans votre main. Vous allez faire ça pour nous donner. Comme vous avez physique pour écrire là, on vous dit de prendre les objectifs. Vous ne voyez, vous n'êtes pas capable de prendre ça. On met 10 objectifs, mais vous n'êtes pas capable de prendre les 10 objectifs en pendant que ça va combien d'heures que je suis en live. Hein? Je me suis levé, depuis 11 heures, je suis en live. Il est quelle heure? Depuis 11 heures, je suis en live. Il est 16 heures, presque 17 heures dans vous n'êtes même pas capable de prendre 10 objectifs. Mais pourquoi tu as inutile là? Vous êtes fort dans ça. Oui, niaï. Voilà, suite, madame. Suite, madame, qui est une femme forte dans la paix du Seigneur. Voilà. Je veux que oui, elle, c'est une femme capable. Vous êtes. De suite, madame, elle ne fait même pas commentaire. Elle fait pas, elle n'écrit pas commentaire. Elle ne fait pas combattre. Elle prend les objectifs comme ça, ho-ha. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de radins d'internet. C'est de ça qu'il s'agit. Elle-même, elle est dans le commentaire depuis là. Elle est dans le panel. Elle n'écrit pas. Elle ne fait pas commentaire. Elle est là, elle suit le live seulement. Elle ne va pas prendre Congo ça là-bas pour venir écrire ici. Mais elle prend les objectifs. Oh ha! Bonne soirée. Vous êtes 3 000 personnes. 3 000. Papadon de Poule commune. Objectif atteint. Suite-moi de fort. C'est de ça qu'il s'agit. Papadon de Poule commune. Papadon de Cour commune, elles sont la première porte, mais elle veut savoir tout ce qui se passe. Suite, madame Faure! Quand tu commentes, tu écoutes ici, tu écoutes ici, tu écoutes ici, elle veut rien rater. Elles écoutent ici, elles écoutent ici, elles écoutent ici, elles écoutent ici. Ah tiens, comportement de Papadon de Cour commune. Il a trouvé leur nom là, juste comme ça, puis ça leur colle à la peau nette. Comment il s'appelle? Croyez en vous. Je vais téléphoner au ministre des Affaires étrangères, je reviens. La conversation peut prendre du temps. Je vous ai dit que mes amis sont des ministres. C'est pas de ma faute si vous marchez avec les Bellemans. Voilà, c'est pas de ma faute. Moi, mes camarades, ce sont les ministres. Les députés. Donne-nous les Bellemans, on descend alors. Donne-nous les Bellemans, on descend. Donne-nous les Bellemans. Les autorités du pays, moi ce sont mes camarades. Voilà. Bon, nous les Balaimans, on va descendre. Nous les Balaimans, on descend. Je m'avais entretenu avec une autorité dans la paix du Seigneur. Je vous laisse le panel pour 30 à 40 minutes. Je reviens. Même pas peut-être, ça peut ne pas durer. Voilà. Pas de vacarme, pas de palabre. On n'est pas. Vous vous comportez comme les enfants de la maternelle là. Je ne veux pas de ça ici. Abarame. Redonnez le numéro, s'il vous plaît, Vanessa, s'il vous plaît. Redonnez le numéro. Mais donnez, toi-même, il faut donner. Tu n'as pas le numéro. J'ai pas écrit. Vanessa, redonne ton numéro, s'il te plaît. Il y a ta point de réseau. On est là pour ça, on n'est pas là pour venir. Voilà, restons concentrés. C'est le plus important. 00225 07 58 88 38. 43 07 58 88 38 30 combien 38 43 Esprit de Pakpatoya m'a pris. Donc, tu veux dire quoi? Croyez-vous, tu veux dire quoi? Il cause les ministres, c'est pas important quoi. Qui ça, Yaka? Vous êtes quel parable? Vous êtes un parable de ça aussi encore.
Tout ce que vous avez comprenez, vous transformez ça en palabres. Yaka, c'est un politicien, donc voilà. Tout ce que vous entendez là, vous transformez ça en palabres, quoi. Yaka, c'est un politicien. Ouais, donc, vous parlez, faut bloquer le code de check my mood vidéo là. À chaque fois, ça vient. À chaque fois, ça vient, c'est le virus qui se promène dans les lives des gens là. Ok, je viens. Cadeau que vous donnez aux gens, puis c'est les 8, les 4, les 12 ans. On est des joueurs, quoi, pour avoir les numéros. Genre, on est des joueurs, c'est numéro, les 58, les 4, les 12. Merci aux donateurs. Non. Bilal, s'il te plaît, merci aux donateurs. Vanessa, les cadeaux que tu reçois, que tu vas recevoir, est de l'argent. Tu comprends? Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire des virements, des PayPal, des transferts Orange Money. Cet argent que tu... Tu m'entends? Je ne maîtrise pas, en fait, donc les cadeaux, là, je ne sais pas si ça va faire. Ok, quand tu vas rentrer dans ton TikTok, là, As tu vas voir que... Pour elle. Un... Voilà, As, appelle As Diesel. As, comment c'est là-bas, là? Voilà. Appelle As Diesel, il va... As va gérer ça pour lui. Je vais montrer comment ça se passe. Tu vas retirer, c'est de l'argent que les gens te donnent, c'est des cadeaux. Les cadeaux sont échangés, tu comprends? Ouais. Voilà, et les personnes ne peuvent pas t'envoyer forcément des PayPal et tout. Il y a des personnes, là, ils préfèrent passer par TikTok. Tu comprends? Donc, tout cet argent que les gens te donnent, ils vont t'envoyer. Tu peux échanger et retirer cet argent-là. Tu comprends? Mais rentre en contact avec As Diesel. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a envoyé 5 000. Elle s'appelle Raki. Rocky 225. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rocky. Merci, Rocky. Tu as compris ce que c'est en train de te dire, Vané? Oui, j'ai compris. Merci. Voilà, faut remercier les gens, remercier les gens, voilà, qui t'envoient. Tu reçois des PayPal, tu reçois des transferts, tu reçois. Je vois. Non, est-ce que tu reçois? Merci Tafana, merci Grâce. Elle a un problème de revenu. Non, le compte n'est pas monétisé. Ça n'a rien à voir avec la monétisation. Ça n'a rien à voir avec la monétisation. Cet argent-là, tu peux retirer cet argent-là. Passe par As Diesel. Tu comprends? As Diesel va récupérer, il va te montrer comment ça se passe. Appelle As, tu as son numéro. Appelle-lui, il va te montrer comment retirer cet argent. T'as compris? Ouais. Voilà, c'est de l'argent que les gens sont en train de t'envoyer comme ça. Les cadeaux là, c'est de l'argent que les gens t'envoient. Voilà. Voilà. Et s'il vous plaît, répétez le numéro dans les commentaires à chaque fois. S'il vous plaît, répétez le numéro à chaque fois dans les commentaires. 0758 88 36 43. Il y a Déborah qui dit qu'elle a envoyé 30 000. Mais son nom de compte, je suis en France. Son nom de compte, c'est Vanessa Tioté. Voilà. Son nom de compte là, c'est Vanessa Tioté. C'est pas Vanessa Téné là. Ça, c'est un Téné. Voilà. Ça, c'est elle et moi, on sait. Mettez Vanessa Tioté. C'est son nom, c'est Vanessa Tioté. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup. Répétez à chaque fois les numéros. La famille, c'est. Alors, tout ce que je vais expliquer ici, en gros et en large. Alors, cet argent que vous êtes en train d'envoyer, cet argent va permettre pour pouvoir acquérir des frais et pouvoir payer des frais d'avocat. C'est-à-dire que aujourd'hui là, voilà, la famille, c'est pas qu'ils ont tellement besoin, mais c'est une manière à nous de leur apporter le soutien. Vous comprenez? Voilà. C'est une manière à nous, voilà, elle a écrit dans les commentaires. Voilà. C'est une manière à nous de leur apporter notre soutien. Donc, s'il vous plaît, tout ce que vous allez envoyer va servir de frais d'avocat. Voilà, pour ne pas qu'on perde en justice, pour ne pas qu'on soit des perdants, participer, envoyer quelque chose. 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5 euros, 2 euros, 3 euros, 10 euros, s'il vous plaît. Voilà. On dit croyant en vous, Univers a fait combien en dollars? Comment elle s'appelle? Elle a dit quoi? Tu veux envoyer un TikTok Univers? Michel Babo. Mais je te conseille, si tu veux envoyer un TikTok Univers, je préfère que tu envoies directement par virement.
c'est mieux. Faut pas, voilà, vu que c'est quelque chose, je préfère que tu lui envoies au moins un virement et ou un transfert, tu lui fasses un transfert. Parce que si tu lui envoies un TikTok univers, il y a TikTok qui va prendre les frais. Voilà. Donc, s'il te plaît, mieux tu envoies un virement bancaire ou bien tu fais un transfert Orange Money, PayPal, tout et tout. Voilà. Il y a les gens aussi qui n'ont pas le jeton sur leur compte. Peut-être là. Donc, si la personne peut envoyer aussi, c'est pas méchant. Ok, donc tu peux, si tu veux, tu peux envoyer TikTok Univers, il te dit, ça fait 600 euros. 699. Quasi 700 euros, TikTok Univers. Voilà. En tout cas, mais si elle a échangé là, elle va se retrouver au moins 400 et voilà. Si elle a échangé, ça va. TikTok prend le pourcentage, donc c'est mieux que tu envoies. PayPal aussi prend pour lui. Voilà, PayPal va envoyer pour. PayPal va prendre donc tout et tout. Donc. Si tu envoies un TikTok univers, ça fait, elle va se retrouver avec 400 euros. Parce que, en tout, ça fait 700 euros que tu payes. Mais 700 euros, moi, j'aimerais que tu lui fasses au moins un PayPal. Voilà. C'est mieux. Voilà. DS, vas-y, on t'écoute. Merci à vous. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir, bonsoir. Ok, excusez-moi, depuis lors de cet événement-là, j'ai une question, j'aimerais savoir quelque chose. Avec tout ce qu'on est en train de dire là, est-ce que vous avez pu contacter le pro, il avait un avocat spécial pour lui-même, non? Concernant les biens du pro qui a été dilapidé là. Lui-même, enfin, il a son avocat. Non, nous, on ne peut pas parler de ça en live, s'il te plaît. Ça, là, attends, il y a un bruit. Mon frère DS, on ne peut pas parler de ça en live. Ok, il famille... n'y a pas de problème, non. Voilà. C'était juste ma préoccupation, parce que avec toutes les histoires-là, voilà. Non, le numéro à web aussi. Ok, il n'y a pas de souci, non, croyant en vous. C'était juste ma préoccupation. Bon, on est ensemble. La famille s'occupe de ça, t'inquiète pas. Ils sont en contact avec tout le monde, voilà. Okay. Croyant en vous, motion s'il vous plaît, une petite minute. Bonsoir, s'il vous plaît. Omar, comment tu vas, mon frère? Je vais bien, vous? Ça va, par moi, la main de Dieu. Je voudrais savoir par rapport aux envois et tout. Nous, par exemple, moi, je suis au Canada. Moi, je n'ai pas de PayPal et tout. Mais je vais faire un petit geste. Pas RIA, pas. Ah, donc, oui. Ils n'ont qu'à bien voir les marabouts. Ils n'ont qu'à sortir. Pour se rallier à toi, pour te dire la vérité, pour que la solution puisse sortir, pour qu'on puisse l'aider. Ah, c'est lui, ta coiffure, tu es devenu plus. Elle n'a qu'à pardonner, elle n'a qu'à s'approcher à toi, parce que vous êtes sage, elle peut, si elle s'approche, vous pouvez trouver une solution pour elle, pour la faire sortir dans la merde laquelle elle est. Ah, elle est dans la merde. Hein. Ah, c'est ça, elle nous a regardé, nous les personnes sages, là, et puis elle allait se livrer à la vindicte populaire, elle seule. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un de sage. Sinon, si elle était vraiment sage, quand on regarde sur la toile, là, on sait qui sont les sages et puis on sait les gens qui sont pas sages. Bien, mais ça, grand frère, c'est là pour la nation ivoirienne. Mais quand toi-même tu n'es pas sage là, tu peux pas t'orienter vers les personnes sages, c'est ça. C'est tu t'orientes vers les personnes qui sont comme toi-même, qui ont ton comportement. C'est vrai. C'est ça le vrai, c'est vrai là. Yaka. Donc oui. On dit, si tu as, quand quelqu'un te parle de. Il te dit qu'affaire des marabouts, là, c'est plausible. Hein? Mais nous, on n'a qu'à faire quoi avec ça? Est-ce que nous, on a qu'à aller encaisser l'argent aux marabouts, quoi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai vu une situation de même chose. Il y avait quelqu'un qui était plus riche qu'elle. Marabout l'a ruiné dans sa vie. Mais c'est parce que la personne est maudite. Moi, je ne sais pas ce que Marabout va venir me dire et puis prendre mon âme pour donner. Je ne sais pas ce que Marabout. Moi-même, là, quand tu es d'après toi, tu es Marabout. On dit que tu es Marabout. Et puis, tu m'appelles deux, trois. C'est-à-dire que la dernière fois, mon grand frère m'a donné le numéro d'un vieux qui est dans notre village à Bundjali là-bas. On dit non, comme tu es sur les réseaux sociaux, vraiment, il faut aller te laver un peu, passer patati et tralala. Donc, on lui donne mon numéro, on m'a donné son numéro, on dit de l'appeler aussi. Il va prendre rendez-vous et lui, je vais aller me laver. J'ai dit, j'ai compris. C'est moi, il doit aller me laver, non? Ok. Maintenant, le marabout, là, c'est lui qui m'appelle. Chaque 5 minutes, c'est lui qui m'appelle. J'ai dit, mon frère,
c'est moi qui dois venir me laver. Si je ne t'appelle pas là, c'est que je ne suis pas encore prêt pour venir me laver. Tu me harcèles pourquoi? C'est quoi? Il y a quelque chose d'autre derrière. Hey, on dit moi-même que je dois venir me laver là. Toi tu me mets la pression comme ça. Ou bien il y a un plan derrière, je ne sais pas. Arrête de m'appeler. Il y a un plan derrière. Si tu m'appelles encore, je bloque ton numéro. C'est quel comportement ça? Toi, dit, tu es vieux. toi qui es vieux. C'est moi qui dois venir me laver, mais c'est toi qui me mets la pression. Je t'ai dit que je n'ai pas d'éponge. Hein? J'ai éponge, j'ai savon, j'ai tout, j'ai l'eau, j'ai tout ici pour me laver. Il n'y a pas d'urgence. Il ne faut pas me presser. Aïe. On dit, moi, je dois venir me laver. On t'a donné mon numéro, on m'a donné ton numéro. Je dis, j'ai compris. Je ne l'ai jamais appelé. Mais il est dans mon inbox, on dirait, il n'y a plus son crédit. Sinon, il y a un footballeur international. Le marabout l'a ruiné. Vu qu'après, il est devenu en colère. C'est qui appelle les gens pour rentrer dans le salon de coiffure. Là. C'est ça qu'il fait maintenant. Un footballeur international. Il a été 7 fois champion de France. Il a été le premier Africain à porter brassard de Real de Madrid. Et aujourd'hui, là, vous les modos, là, vous ne voyez pas le faux message qui défile dans mon live. Là. Ou bien, quand vous enlevez un modo. Mais il n'y a pas normal... un modo ici. Oh. Même attends, il était mis en moto. Non. Les messages de code, de virus, là. C'est ça qui fait que le live n'évolue pas, ça n'augmente pas. Bah, ça revient en permanence. Mais attends, moi, je ne sais même pas, c'est depuis quand tu m'as quitté sur Modo. Il vient de voir ça la fin dernière, là. Parce qu'à un moment donné, tous mes modos m'avaient énervé, je les ai tous balayés. Même en Modo, Yaka. Je suis Modo sur l'autre compte, là. Tu sais que. L'autre compte là, ils ont bloqué ça tout à l'heure là, parce que les Kupachari là, ils savent écrire, commenter, ils savent aller regarder les autres panels pour venir écrire ça ici. Mais quand on dit de prendre les objectifs, ils prennent pas. Alors que les objectifs là, quand vous prenez là, ça permet, TikTok aussi sécurise les lives, je vous explique. Dans les objectifs que vous prenez là, TikTok a 35% sur chaque objectif. Est-ce que vous comprenez ça? Donc eux, comme ils gagnent de l'argent quand vous prenez les objectifs, ça veut dire que quand les gens signalent, ils ne bannissent pas le live tout de suite. Ils prennent le temps d'étudier, comment on appelle ça, les signalements. Avant de bannir, s'il y a lieu de bannir vraiment, sinon ils ne bannissent pas. Mais quand vous ne prenez pas les objectifs, quand on signale seulement, eux, ils jettent le live quelque part là-bas d'abord. C'est après qu'ils vont analyser les signalements. Là, parce qu'eux, ils ne gagnent pas l'argent, donc ils ne savent pas pourquoi ils vont se casser la tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on vous dit de prendre les objectifs, là, c'est à cause de ça. Hein, sinon, TikTok même prend presque la moitié de ce que vous payez en choses. Tout ce que nous on gagne sur TikTok. Mais comme c'est payé, ça, eux aussi ça leur permet de payer leurs employés là-bas. Donc ça fait que le live ça coupe pas. Tout à l'heure ils ont coupé mon live sur l'autre côté là-bas. Non, on était plus de 3000 personnes là-bas. Ils ont coupé ça pas parce que les gens ont signalé les objectifs là. Sur 12, ils ont pris 2. Mais ils savent ce que pourquoi tu as. Alors qu'on était plus de 4000 même d'abord. Hein, tout à l'heure, Fit Mode à tout prix, là. Est-ce que vous voyez que le live bug même? Ça bug même pas. TikTok même sécurise le live même pour vous donner. Parce que eux aussi, là, ils gagnent dedans. Dans le live. Fatiguer les gens pour rien. Vous pensez que moi, je m'en vais au travail comme ça. Vous pensez qu'il y a tant l'argent de TikTok pour manger? Je suis dans ma jolie voiture comme ça. Je m'en vais au travail. Voilà. Je travaille. Je suis bien payé. Je me suffis. Sans prétention. Fatiguer les gens pour rien, on vient passer tout notre temps à se fatiguer pour vous, vous ne fatiguez pas pour les gens. À quoi de Congo, c'est Congo ça seulement qui vous intéresse. Moi maintenant là, je vais faire les lives privés. Je vais sélectionner tous ceux qui prennent les objectifs et puis je fais les lives, c'est eux ceux qui peuvent suivre. Ils vont dire que tu les as trichés. Hein? Ça, c'est pas mon problème, ouais. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. C'est moi ici venu sur TikTok, parce que tricher quoi, c'est moi je suis les lives. Si je suis là, c'est là qu'ils vont dire qu'il les a trichés. Ah, ça, c'est vrai, le vieux. Dans le monde, là, on est venu en détail, tu vois, non? On est venu en détail, donc quand ils disent ce qu'ils veulent, c'est moi, ça m'intéresse. Ah. Si tu es triché, là, c'est que c'est eux qui nous ont trichés. Parce que nous, on a été influencés avant eux. C'est nous, on est venus sur la toile avant eux. Nous, on a commencé à faire vidéo avant eux. C'est nous, ils ont regardé pour faire vidéo. C'est que si c'est tricherie, là, c'est eux qui ont commencé. Ça, c'est vrai. Ok. On peut laisser ça. Vanessa, tu es là. Pour les faux comptes, là. On est venu en détail, on va repartir aussi en détail, donc c'est ça. Après, là, il faut faire ce guide. Tu parles beaucoup, toi là. Tu es là? Oui, oui. Ok. Il t'a envoyé un message, il t'a envoyé une capture, ils t'ont fait un virement de 50 000 francs. Applaudissez la personne là. Attends, je vais applaudir. C'est Ouma. Voilà, Ouma. Ouma,
Omar là, c'est mon frère qui était sur le live tout de suite là. Oui, qui vit aux États-Unis là. Merci frérot, merci beaucoup. Merci papa. Il est chez. Alors qu'on a taillé la colonne de fieu. Amin. Merci. Voilà, que Dieu multiplie pour mettre là-bas. Amin. Bonjour, le grand frère Yaka. Bonjour. Tu étais en ligne, tu étais parti en temps, mais ce que tu viens de dire, il faut que les gens prennent ça un peu au sérieux. Peut-être les gens pensent que quand vous faites les lives et tout, vous prenez l'argent ou bien vous faites des trucs pour pouvoir manipuler les gens. Non, nous ne sommes pas dans ce tort d'idées-là. Aujourd'hui, il y a un problème qui est là et nous tous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Merci. Vous voyez un peu. Ouais. Donc aujourd'hui, moi je vous l'ai dit l'autre fois, ça fait la troisième, quatrième fois que je monte sur ton live. Je suis togolais, je vis au Canada, je suis musulman, mais cette affaire m'a beaucoup touché. Moi j'ai perdu mes deux parents, ça m'a touché énormément, mais cette affaire m'a beaucoup touché énormément, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un frère, on peut dire, Tioté, c'est un frère africain qui a bataillé pour la Côte d'Ivoire. Je le connais étant joueur, parce que je fus un joueur aussi avant d'arriver au Canada. Donc, je connais un peu le roi du football. Maintenant, aujourd'hui, tout ce qui se tourne autour de cette affaire, soyez un peu lucide et puis concentrez sur ce que vous faites. Par exemple, la rentrée de décider pour dire Mada va monter et tout, on prend ça en pincette. On ne va pas considérer ça en tant que tel. Vous avez évoqué une idée. Toi, Aya Robert, Makoso, croyez en vous. Cette dame ne peut pas venir vous duper. C'est impossible. Ça, c'est clair. Vous êtes des grandes personnes. On est trop lucides. Vous êtes des grandes personnes. On n'est pas dans le faux. C'est quand tu es dans le faux, là, que tu acceptes. Voilà. Hey. Si tu es dans le faux. Elle ne peut pas venir nous duper, en tout cas. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est un jour sacré pour nous tous, nous qui sommes les musulmans. On sait de quoi être quand tu es musulman et que tu as vraiment la croyance, comme notre frère Tioté qui est décédé, paix à son âme. Il sait ce qu'on est en train de faire pour lui. Cette bataille, ce n'est pas une bataille pour seulement que les Ivoiriens. C'est pour toute l'Afrique, voire le monde entier. Parce que ceux qui sont encore d'autres pays, ils ressentent la même chose que nous. Donc, prenez votre temps, allez-y tout doucement, et Inch'Allah, Dieu va résoudre ces problèmes. Surtout, moi, ce qui me préoccupe, c'est les enfants. Ce n'est pas seulement pour les enfants de Mada, les autres enfants aussi. C'est ça qui me préoccupe. Et deuxième chose, c'est pour la maison de la famille. Ce matin, quand je venais au boulot, Tu avais dit qu'il y a une association qui est en train d'aller renouveler les meubles et tout. Voilà, c'est juste pour dire que si vous n'êtes pas dans la vérité, il n'y a personne qui va sortir dans l'ombre pour venir faire tout ça là. C'est parce c'est que mon vieux père, c'est l'entreprise de mon vieux père qui t'en a fait. Voilà, donc c'est pour vous. C'est pour vous dire que c'est parce que vous êtes dans la vérité et que tout ça là vous suit. Donc, les autres détracteurs et tout, là, laissez-les, ils n'ont qu'à parler, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. Vous avez un objectif bien précis. Allons avec cet objectif, Inch'Allah, on va gagner. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Que Dieu fasse la grâce, que Dieu nous aide. Inch'Allah, ça va aller. Merci beaucoup, merci à vous. Merci mon frère. Ouais. Maintenant, quand tu descends là, tu prends les objectifs en bas là-bas, hein. D'accord? Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Mon frère le footballeur, il faut prendre les objectifs aussi, hein. C'est important. Il y a qu'à être très concentré. Oui, il reste très concentré. Il reste lucide jusqu'au bout. On n'a pas encore. Il dit, je me lave plus. Le gars là m'a trop mis la pression, je me lave plus. Venez ça, tu es là. Il m'a trop mis la pression dans le fait de laver là. Je suis assis par terre. Tu as commencé à douter. Merci là-bas. Merci pour les objectifs. Tu as la pression pour moi. On est moi-même qui allait me laver. Puis autre chose. Merci pour les objectifs. Merci à tous ceux qui prennent les objectifs. Voilà, Catherine. Tu nous emmènes dans ton histoire des villages là. Il y a quoi? Non, respectez les villageois. Hein. On est là, on est beaucoup aussi. Et puis depuis que tu as fait 4-5 ans, on ne peut plus respirer si tu tombes. Non, merci, Catherine.
j'ai pas fait de ça à Samassoko, mais pour respecter les villageois, c'est des gens qui sont vraiment loyaux. Hein. Nous, on est toujours du côté de la vérité. Respecter les villageois. Voilà. C'est clair. Donc, Samassoko, toi, tu me connais, cher frère. Tu me connais où? C'est pas que c'est amusement, c'est pas c'est Dagbashi, mais tu connais. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Beaucoup, Kati. Non, grand frère, Yaka. S'il te plaît, voilà. Oui. C'est un sujet là, faut voir ça. Vanessa, est-ce que tu reçois? Vanessa, tu reçois des vidéos. Faut voir Makoso. Attends, président, vous pardonnez, on parle. Pour le pouvoir qu'on parle tous. Makoso, on va essayer de voir pour la délivrer, pardon. Les marabouts, on va quitter cette chemin. Parce que même maintenant, là-dedans, 400 milliards, il va tout dépenser. Merci Catherine pour les objectifs. Oui, oui, donc ne vous inquiétez pas. Et Makoso même est petit dans cette affaire-là. Ne vous inquiétez pas. Marabout peut rien créer ici. Si Marabout de Mada était fort là, est-ce que nous on se révolter contre elle comme ça? Ouais, et puis on veut rien savoir. Marabout a bouffé tout l'argent avec Marabout. Ah non, mais elle va aller chercher ça elle-même. Où elle a déposé, elle va aller prendre. Non, on va pas la prendre. On va communiquer le numéro. On c'est 07. Sur les numéros, pardonnez les gens. 07. Mon frère, 58. Ouma, faut te calmer. Tu as fait gré après, pardon. On est concentré. Attends, 07. Pardon. Attends, croyez dans vous. 07 58 88 38 43. Attends, croyez dans vous. C'est lui qui a envoyé les 50 000 tout de suite là. Hein? Hein? Il s'appelle Ouma. Ouma. Non, okay. C'est pas Ouma. Lui qui a envoyé les 50 000 là, il s'appelle Omar. Le voilà ici avec les lunettes. Omar qui a envoyé les 50 000. C'est pas lui là. Okay. C'est pas lui. Ok, voilà. D'accord. Il a cru que c'était comme je suis en train de conduire, je ne vois pas l'écran forcément. Non, c'est pas lui. Il ne faut pas poser trop trop à lui. Il n'a rien envoyé. C'est pas lui. Non, il va descendre pour aller envoyer et puis il va revenir. Comme ma belle soeur à côté là, il va se consulter avec ma belle soeur et puis il va envoyer leur part dans la paix du Seigneur. Voilà, hein, mon frère Omar. À Fusco, la merveille a mis le numéro sur le numéro. C'est Aurel Money, c'est un Wave. Maintenant, Tata Sainte, là, c'est Yaka 225. Voilà. Ils téléchargent l'application, Tap Sainte, ils utilisent le code promo Yaka 225. Voilà. Ils vont recevoir 10 $ ou 10 euros. Tout de suite, dès qu'ils téléchargent le code promo, ils vont recevoir ça directement. Comme ça, ils vont s'en servir pour faire les frais de ce qu'ils veulent envoyer, du montant qu'ils veulent envoyer. Et puis même dans les 10 euros, là, s'ils veulent, ce qui va rester comme 8 euros ou bien 8 dollars, là, ils peuvent compléter ça et ce qu'ils veulent envoyer là, en même temps pour envoyer. Parce que les frais s'élèvent à 2 euros, quel que soit le montant qu'on veut envoyer. Ah. Donc, à vous, bénéficiez encore de 8 euros. C'est ça même. Voilà. Donc, téléchargez. Merci. C'est le vrai point. On dit d'épingler le numéro. On ne peut pas épingler le numéro. Mais si on met dans les commentaires, Toby, depuis là. La fausse que la même chose. C'est vous qui allez. Quelqu'un dit j'ai envoyé quoi 1 million. Ou bien c'est 100 000. Bloquez le numéro, s'il vous plaît. Noël, je ne sais pas quoi là, je le mute d'abord. N'en dis pas plus. C'est comme si c'était déjà fait. Okay. Si tu as 1 million là, tu as monté sur panel à l'air là. Je fais quoi de lui? Tu vas t'asseoir sur le panel. Hein? Il dit, Yaka, je parle trop, il faut le bloquer. Bloquer tout. Si je parle trop dans ma propre bouche, dans mon propre téléphone, et que lui, ça, Internet que je paye, ça te dérange. Chaque fois, aller voir ailleurs si je suis. Oui, parce que je parle dans ma bouche, avec mon téléphone, avec ma connexion Internet. Et puis toi, tu es fâché. Tu viens toi-même sur mon panel. C'est comme si tu rentres dans mon salon pour dire non que Yaka, enlever mon fauteuil blanc, là, te dérange de mettre rose. Tu es malade ou bien? Je vais bien faire la loi dans ton salon. C'est ça même. Papier. Voilà. C'est pas croyable. Nguessa Linda, on t'écoute. Oui. Bonsoir. À mon papa Yaka. Je voudrais tout juste vous dire merci beaucoup pour ce combat que vous avez mené pour la famille Tioté. Merci pour tout, parce que à travers vous, on a su vraiment la vérité de l'histoire qui s'est passée. Et merci pour vos voix, tu portes aussi très haut. Tout le monde entier aujourd'hui sait ce qui s'est vraiment passé dans la famille Tioté après 7 ans de décès de Tioté. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à croyant en vous, je sais pas qui là. J'étais toujours là pour cette famille. Tu connais bien l'histoire. Merci beaucoup. Et je dis encore Yako à sa petite sœur Vanessa. Courage à toi. Et j'espère que Dieu va t'ouvrir les portes pour trouver du boulot.
Et à travers toi, surtout, parfois on dit souvent c'est les petites sœurs. Tu sens un peu les petits vampires. À travers toi, aujourd'hui, on a vu vraiment les réalités. Et pour les explications que tu as données, que Dieu donne la santé à ta grande sœur. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Excuse-moi, ne descends pas d'abord. Tu as bien parlé, hein, tu as fait les bénédictions et tout. Mais je n'ai pas aimé juste une petite partie dans ce que tu as dit et je souhaiterais que tu rectifies ça. Oui. Voilà, quand tu dis tu ne connais pas le nom de quelqu'un, tu n'es pas croyant en vous, je ne sais pas qui là. C'est très mal positionné. Ah, ok, ça, hein? Je suis désolé. Voilà. Excusez-moi. Merci. Je ne connais pas bien son nom, il était tout le temps là. Ok, quand c'est comme ça, tu cliques sur son profil, tu lis son nom et puis tu dis ça, mais je ne sais pas qui là. C'est pour moi, c'est malvenu. Hein? Yaka, yaka. Okay. D'accord, je m'excuse. Merci, je m'excuse. Merci, on est ensemble. Oui, on est ensemble, merci. Ok. Non, mais le père, merci beaucoup parce que tu es mon vieux père. Voilà. Je suis personnalité publique quand même. Donc, voilà. Voilà, merci. Merci là, beaucoup. Jésus, faut parler, on t'écoute. On va vous faire une réunion familiale. Hé, hey, vous là, il y a un match dimanche à Yamakoso. Hein. Nous sommes le combien aujourd'hui, le 16, non? Ouais. Demain 17, 18, après demain à 20h d'Abidjan, 22h de Paris. D'accord. Makoso et moi, on s'attrape dans un match sur TikTok. Je dois gagner Makoso. Je dois fermer la bouche de Makoso. S'il vous plaît, je compte sur vous. Les Pogwachari, vous n'avez pas dit que vous êtes radin jusqu'à la moelle épinière. Comme ne peut pas compter sur vous. Je ne veux pas voir de fleuristes, ni de paysagistes, ni de vendeurs de roses. Je veux voir que des gens qui ont la clé du zoo, s'il vous plaît. Makoso, je dois la clé du zoo. C'est-à-dire que quand il dit du zoo, ça veut dire que. Bonsoir, bonjour. Ils m'ont bloqué l'autre côté là-bas jusqu'à demain. Tu as fait quoi? Il n'a rien fait. Jesse est monté pour annoncer une nouvelle. J'étais assis comme ça, là, j'étais assis, on était en train de causer. Je n'ai rien fait même. Qui a monté? C'est pas Jesse avec ses deux pieds gauches là. Ouais, non, c'est quoi? Il avait dit que, Mada dit qu'elle demande pardon, qu'elle veut nous parler, toi, moi et puis Makoso, que vraiment on a qu'à, aussi on peut l'aider, que ceux qui sont en train de la défendre de l'autre côté là, ils n'ont qu'à laisser son nom, que c'est Dieu qui est son défenseur, que ils l'ont mis dans problème quoi. Donc vraiment, elle veut nous parler, que Dieu se dit qu'il va nous mettre en contact avec elle pour genre trouver une solution quoi. Comment est-ce qu'on peut négocier pour arranger les choses, parce que les choses ont dépassé les limites en fait. Donc il est monté pour annoncer ça, on était en train d'écouter et puis pas le truc s'est coupé. On dit que je pourrais me reconnecter le 16. Le 16 c'est demain, non? Demain. Ils m'ont pas donné de motif, j'ai contesté. On dit, dans que c'est quelques heures, on m'a donné alors. C'est quelques heures qu'on m'a donné. Ah, donc pour moi, c'était demain alors. Donc automatiquement, je me suis connecté, je n'ai plus cherché à comprendre l'autre côté là. Il m'était dit que c'était demain. C'était le 16. Quelques heures. Ah. Donc c'est que peut-être qu'il n'est pas là-bas, il pourrait me connecter. On dit, Adia s'est dissocié de l'autre camp là. Elle est chinoise. C'est ce que Jesse a dit. Comme c'est venu de Jesse là, tout le monde est sceptique. Non, mais tout le monde est assis par terre. Il a dit ça et puis il a envoyé même message vocal encore, tout ça là. Il m'a envoyé un message pour me prouver que vraiment il était au boulot, même il est monté en vidéo. Attends, écoute. C'est forcément que c'est pas moi de donner plus de détails. Moi, je suis un envoyé. Celle qui va donner plus de détails, c'est Mata elle-même. Demande à mon frère et soeur là de calmer le jeu. Et. Samasoko, tu ne t'es pas démuté. Avec Mada. Si elle n'a pas convaincu sa belle famille, voilà, ça c'est autre chose. Mais franchement, la dame, elle veut faire une médiation. Elle veut faire une médiation, essaie de calmer le jeu jusqu'à ce que, bon, voilà, vous puissiez entendre ce qu'elle a vous dit. Tu vois un peu. Attends-moi, il y a un nouveau papou à casser, hein. Enfin, comment. Attends d'abord. On va se concerter par rapport au papo. Hein? Parce que comme Jesse a parlé, on peut-être, tu vois, quand on dit que sa plaisanterie l'a tué, donc la plaisanterie tue. Tu vois,
Même quand tu es au sérieux maintenant, on ne te prend plus au sérieux. Parce que tu n'es jamais sérieux. Le jour que tu viens annoncer une nouvelle avec ton sérieux, personne ne te croit. Tu vois, là, tout le monde est sceptique, personne ne veut croire. Peut-être qu'il est au sérieux, peut-être que, tu vois, c'est compliqué. C'est pour ça que de temps en temps, c'est important d'être concentré dans la vie d'un être humain. Il est très important de rester concentré. Voilà. Là, il a parlé, là, peut-être que c'est vrai, ouais. On ne sait pas. C'est faux, ouais. On ne sait pas. Si c'était quelqu'un de sérieux, on allait croire. Tu vois? Donc, je ne sais pas, si le papa que tu as là, si c'est trop lourd, on n'a qu'à attendre, parce que je pense qu'on lui a trop mis les douilles. Elle est venue s'asseoir par terre. Ce papa-là, hein? Dirait de l'Angleterre, c'est lourd. Eh, à la matafane, série. Il y a les gens en bas qui cassent le papa. Vous, là, vous aimez ça, hein? On n'est pas ennemis de Mada, hein, je vous signale. Nous ne sommes pas ses ennemis. On n'est pas venu pour la pousser au suicide non plus. Voilà, il faut que vous compreniez ça, vous les Popachari là. Nous ne sommes pas là pour la pousser au suicide. Voilà. Si elle dit qu'elle se rallie et qu'elle se dissocie de l'autre côté, nous on est preneurs. Excusez-moi, j'ai un appel très important. Je coupe, je me mute et puis je reviens. C'est même pas un seul. Côté le pasteur. Apparemment. Elle et puis le pasteur, là, c'était Kpokun d'abord. Faut même pas dire apparemment. Ça, c'est lourd. Maintenant, côté Angleterre. Ils m'ont réveillé à ça tout à l'heure là. Ils venaient même lancer mon live et puis j'ai vu Yaka en live. Aya. Mmh? Je suis en train de faire bawacho avec foutu. Tu viens pas manger? Voilà, et que si tu as de faire taxi, tu vas maintenant tu m'envoyer. Ah, je sais pas là. Non, faut me dire parce que vous là là vous c'est foutu mais il y avait des manger le jour. David, non. Ils ont signalé le live là. Hein. Ils ont signalé le live là encore. Je viens de recevoir une restriction. Ils ont signalé ici encore. Donc, je ne sais pas. Tapoter, comme je vous ai dit là, je conteste. Comment je peux contester ça là? Ils veulent bloquer toutes mes pages parce que ma communication les dérange. Je suis trop fort pour eux. On est trop lourd pour eux. Quand nous, on prend un côté pour défendre là, ça les fatigue. C'est le signalement des minutes là. Si c'est la seconde là, tu contestes. Ils t'ont dit quoi dessus? Ben, de faire un taxi, va venir chercher. Je comprends, en tout cas. Hein? T'es pas encore prêt. Mais dis-moi si je dois faire taxi. Viens voir si ta fille peut t'envoyer. Viens voir. C'est loin de... Non, c'est rien, ma chérie. En tout cas, après ça, ça sera bien. Elle dit devant tout le monde là, au moins là, pour tout là venir ici, elle dit, hé, hey, voilà mon frère. Parce qu'il y a envie de manger foutu ici là, il n'est pas bon manioc. Hier, je suis allé payer mes manioc parce qu'elle est honorée. Il est obligé de jeter. Donc, si il doit payer bon manioc, il doit aller au château d'eau. Maintenant, j'ai mon neveu avec moi ici, et qui, il y a les pompes au château rouge, la folie va me prendre. Il n'y a pas bon manioc dans mon quartier ici. Je n'aime pas manger foutu et farine. Tu vois, de toute façon, tu n'as pas un pile manioc et tout, c'est comme moi, j'aime pile aussi. Les foutu qu'on met dans poudre, là, je ne mange jamais ça. Et comme graines dans boîte, je ne mange jamais ça. Si on vous montre comment on fabrique graines dans boîte, là, folie va vous prendre. Donc, si tu m'as envoyé foutu, là, ça sera bon, en tout cas. Mada a dit, on va faire tchèpe. Tu vois ça, tu as réussi tchèpe, là? Vané! Comment reçu? Peut-être qu'elle est encore en cuisine. Ah, de toute façon, elle est un mouton, hein? Madame, même quand on l'a vu, elle ressemble à quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine.
Ouais, va aller là pour aller payer mon temps là. Moi, c'était les 32 pouces là qui me retenaient, quoi. Moi, c'est le climatiseur et le rideau. Non, télé, la télé l'a tué. Ça, c'est un résident de 15 000 à Magori résidentiel. Elle s'est foutue de sa grande soeur. Qui est ici chez ma grande soeur? Oui, oui. Il y a télé de sa grande soeur. Il y a télé là. Awesome. Télé qu'on met dans la cuisine là, accroché là-bas. Qui l'a fait? On n'avait pas payé canal même. Climatisé là en haut de sa tête là-bas, là, il a dit hey. Les biens sont en sécurité. Là. Elle a fait le chien et puis c'est climatiseur là qui a séché. Parce que de toute façon, c'est séché devant là. On ne sait pas sûr que ce chien là est passé dans un casse. Les biens sont en sécurité. Chien, ça là, c'est pas passé dans casse. Ou bien. Un chien qui passe dans casse là, quand tu vois, tu connais. Chien, le vent ou le soleil, ou bien clim, ancien clim sèche là, quand on voit, on connaît. Elle est mauvaise. Mais la clim là, c'est chaleur qui sort dedans. Ancien clim marron comme ça là, ça donne plus. Il n'y a plus gaz dedans. Hein. C'est la chaleur là qui a séché le chien, justement. Tu as vu juste. La chaleur qui émane de cette clim là, qui a séché son gâteau qui était au milieu de sa tête et puis elle était assise. Oui. On dirait quelqu'un qui a mis physique qui a déposé le panier d'attiquer dessus. Tu déposes pardon, route, hein. Pour prendre direction hein? De Dabou. Hein? En tout cas, si on doit baisser les âmes, si à cracher dedans, il n'y a pas de pardonner à Mada, c'est son chien là. En tout cas, si on doit baisser les âmes, il faut qu'elle nous refasse le chien là. Le chien doit être refait. Oui, le chien là doit être. BBL, là, mon gars, c'est un fouchette, elle a fait BBL, là. Ça, là, il y a même, c'est pas comme on appelle ça, peigne de BBL. Ça, c'est un fouchette. Mara doit nous refaire le chien en prix. Non, Mara, tu n'es pas bonne. Elle doit bien geler le chien, parce que le chien n'a même pas reçu assez, suffisamment de gel. Les cheveux n'étaient pas suffisamment plaqués. Ça, c'est les anciens gels. Tu c'est comme gel, les anciens gels. Quand il y a soleil et puis ça coule sur ton. Les gros pots de gel noir, fermeture blanc à l'époque. Noir, fermeture blanc. Hein. C'est ça voilà. Même. Quand elle était petite, ta maman ramasse, elle met ta tête. Eh, hey, je te dis, on badigeonne ta tête et ça comme ça. Quand tu t'en as fait bonne année à ton retour là. T'as fait bonne année. Et puis tout robe là est badigeonné de gel. C'est quand tu t'en as fait bonne année là, ton habit, tu as porté la poubelle. Et si tu portes habit blanc, habit de princesse blanc, et puis il y a brillant dedans, ça coule, brillant là, sur toi comme ça. Mais t'as pris la vie quand même. Mais regarde, tu as marché dans la boue. On dirait que c'est frisé à attraper mon cœur. Non, tu es mauvaise. Voilà ce que tu as fait là. Ça, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Vanessa nous donnait quelle nouvelle? Non. Vanessa, on a besoin de cotiser pour les frais d'avocat. Donc, voilà, donc on est en train de faire litchi. Donc les gens ont cotisé. Donc on est dessus. Alors vous êtes à combien? Ah, je sais pas. Hein, c'est Vanessa qui peut nous demander. Moi, je demande jamais. Oui, mais il faut demander. Vanessa, là, vous êtes à combien? Vanessa. Faut demander. Est-ce que Vanessa entend? Elle avait reçu un appel. Hein. Je ne sais pas si elle a pris son portable. La personne qui écrit Kadi Djakité, si tu veux les papos, on te bloque tout de suite. D'accord? Tu as pris les objectifs. Tu veux papos, non? Prends 10 pistolets et puis on donne les papos maintenant. On t'écoute, Vanessa. Mon père, ouais, 71 000, Orange Money, 61 000, plus 50 000, Western Union. Hi. Tout ce que les gens ont envoyé, les zagues là. Mais ton téléphone s'est coupé, donc c'est pas ça. Parce que moi, je voyais que les gens cotisaient. Mais oui. Voilà, les gens ont cotisé quand même les 50 000. Les gens donnaient 50 000, 40 000, tout ça. Comment Wave 71 000 bah, moi, j'ai envoyé 40 000 sur Wave. Hein. Mais oui, il y a quelqu'un qui a envoyé 50 000 tout de suite aussi. Comment ça peut faire 71 000? Il y en a qui ont envoyé 20 000, il y en a qui ont envoyé 10 000. Il y en a qui ont envoyé. Eh, Vanessa, faut bien regarder ce que tu as reçu. Hein. Je pense que tu faut regarder Vanessa. Thank you.
Ah, ça se trompe pas. Elle s'est trompée, je pense. Parce que moi, j'envoyais 40 000, il y a une dame qui envoyait 20 000. Ça vient d'avoir 60 000. Mais oui. Il y a un monsieur aussi qui a envoyé 50 000. Ouais, ça veut dire 5 000. Ça m'a fait qu'il y a debout, hein. Non, mais il a toujours cotisé. Aya. Ça m'a fait qu'au pardon. Là, l'amour, il y a besoin de tout. Tu vois, fais des choses. Il y a besoin de. Non, mais Aya, moi, elle cotise toujours. Non, c'est quand on fait une petite cotisation pour Kilou, là. Allons-y voir ça, Aya, laisse ça. Ça va faire. Si quelqu'un même me dit ça va faire qu'il va m'entendre. Qui lui c'est le bébé le plus debout. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? On a eu de prendre les objectifs, vous êtes dans les commentaires. On n'a même pas encore atteint, on a même pas encore atteint 1 million de likes. Vous vous foutez de nous quoi? Hein? Elle dit, est-ce que les gens likes. Vont mentir? Non, mais ça m'a sûr qu'on dit qu'il a donné 40 000. Lui, il n'a est-ce pas que c'est vrai? Les gens vont mentir pourquoi? Pourquoi les gens n'ont pas cotisé? On lui demandait si elle recevait, elle disait oui. On lui demandait effectivement si elle recevait. Elle disait oui. Si elle ne recevait pas, elle a dit non, que je ne reçois rien. Ou bien? Aïe. Si elle ne recevait pas, là, elle a dit qu'elle ne reçoit pas. C'est lui qui a usé un prince. Tu demandes les papos. C'est 10 pistolets, le papo. 10 pistolets. Tu prends 10 pistolets, tu auras les papos. On dit la dame, c'est 2 000, pas 20 000. Elle en veut 2 000. Il y a quand on dit la dame a envoyé 2 000, pas 20 000. Ok, il y a une dame qui a envoyé, ok, c'est 2000, ok, d'accord. Mais il y a des gens qui ont envoyé plus que 50, qui ont envoyé 50 000, 40 000, choses. C'est ça, elle dit 50 000, là, c'est sûr. Ben, il y a deux transferts, en fait. Il y a Web et puis Orange, c'est ce qu'elle est en train de te dire. Ok. Moi, en tout cas, c'est si Web, son nom est sorti, mais Vanessa Tioti. Ah, c'est ça le vrai point. Il y a quelqu'un qui dit quoi? Vous écrivez dans les commentaires. Non, elle ne peut pas se tromper. Vite. Si elle a dit, c'est ça. La femme a dit. Yaka, ça me tue un jour. Ah ouais, Bamba. Il ne veut pas te tuer. Prenez les objectifs. C'est ce que vous êtes demandé. Ce n'est pas pour quelqu'un. Donc, si. Vous ne prenez pas les objectifs. Donc, le tout fait combien? Le tout. Le tout fait combien? Mais Marcos a même dit qu'il allait prendre les frais d'avocat là ou bien après? Il s'enlève un peu seulement. Yaka Makoso a dit les frais d'avocat, c'est lui qui paye. Hein? Il avait dit ça, non? Parce qu'il ne faut pas en oublier aussi, à Al Dezal aussi, on doit cotiser par rapport à sa voiture. Ça va. Sa voiture a fait accident. Quand? On a parlé de ça sur le live, Yaka. Merci. Merci aux gens qui prennent les objectifs. Merci. Attends, c'est que Yaka va nous expliquer mieux. De ça, on est là, parlons d'eux, on allait faire cotisation aussi pour As Désir. As Désir, lui, ça va-tu toujours, ça fait accident? Comment ça fait accident? Ah, mon cher, lui il aime, c'est ce qu'il lui a demandé. Il a dit comment il t'arrange toujours pour faire accident. Ah. Je lui ai posé la question, son affaire d'accident est trop. Ouais, c'est à quoi il sort, si on n'a pas envoyé bon jeton en Vanessa, ça plus qu'on doit cotiser aussi pour lui. On doit cotiser pour lui pour faire quoi? Je ne comprends pas. Il dit Capo là, elle saoule, il ne sait pas. Il est là expliqué si l'autre lève avant qu'on coupe. Ça m'a fait quoi? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose? Mais c'est pas que tu es assis sur le panel ici, que tu parles trop. Non! Regarde, j'ai lu ton corps par terre. Yaka, c'est mon élément, hein? Ah, pardon. Ah, ton élément n'est pas Yaka, mon élément. Yaka, il t'envoie un cadeau chaque fois, là, c'est ça? Il y a oui, mais aujourd'hui, tu as envoyé. Tu vois ça, Yaka? Tu vois, Yaka? Moi, je suis un gras. Donc, tu m'envoies pour aujourd'hui, là, c'est pour. Non, tiens, c'est du faux, je comprends. Voilà, c'est pour aujourd'hui, là, seulement, je vais. C'est pour aujourd'hui, là, il reconnaît. Sinon, tout ce qui est passé, là, je ne connais pas. Il a fini de manger déjà, et puis c'est dans Water, allez, là. Donc, il faut oublier pour le passé, là. C'est pour aujourd'hui, là, qui compte. C'est comme ça, l'être humain est. Il n'arrive même pas à me mettre en grand. C'est quoi tout ça, là, même? Tu veux te laver? Il n'arrive pas à me mettre en grand, hein. Pourquoi? Éteins ton téléphone, tu rallumes. Mais c'est vous allez tomber. Non, on va pas tomber. Tu reviens, tu fais comme tu as lancé le live, on va te dire. Éteins, tu rallumes. Si tu dis là-bas, on va t'en. Hé! Hé!